Je n'étais pas revenu aux États-Unis depuis un bail. Le suivant sur la liste, c'était le fameux Mugshot. Le plus costaud des cinq maléfiques. Disons que le peu de neurones qu'il avait était concentré dans ses biceps. Ça n'avait pas toujours été le cas. Enfant, c'était le vilain petit canard. Le souffre-douleur du quartier. Ses seuls amis, il les trouvait sur le grand écran. C'est là qu'il avait vu son premier gangster et il avait immédiatement su qu'il avait trouvé sa vocation. Il s'était alors mis à travailler dur pour y parvenir. Alimenté par ses rêves et sa soif de pouvoir et de respect. Ses efforts furent récompensés et son vœu le plus cher s'accomplit. Il devint un gangster, castagneur et coriace, dur comme l'acier, qui s'était fait la promesse de ne plus jamais se faire marcher sur les pattes. Et il s'était enterré à Mesa City. J'avais toujours rêvé d'aller dans cette super ville américaine. Ah, salut YouTube. Aujourd'hui c'est Mesa City. Let's go. Putain, y'a pas Bentley? Putain, mais moi qui voulais qu'on entende Bentley. Ah, là on a des dollars, hein. On est aux États-Unis, c'est bien connu. Allez, c'est parti. Hey Sly, tu m'avais dit que Mesa City était une ville très animée. Ça ressemble plutôt à une ville fantôme. Il s'est passé quelque chose? Où sont-ils? Je l'ignore, mais j'en ai la chair de poule. Et si on décampait, hein? Tu veux rire, là? En plus, j'aimerais essayer le coup qui apparaît sur la page du Volus Ratonus de Raleigh. Tu parles du saut en flèche du ninja? Ouais. Fais-moi plaisir, relis-moi les instructions, je te prie. Atterrir sur des périmètres exigus, tu pourras. Si vivement, tu sautes, et si sur le mécanisme symbolisé par un cercle géométrique, tu appuies. En bref, sauter et appuyer sur la touche cercle pour atterrir sur les mini-surfaces. C'est une traduction grossière. Il a mangé tout le monde. Ah bah il avait faim. Laissez-le assouvir son appétit. Bon du coup on a le saut en flèche, donc c'est saut et cercle, hein, voilà quoi. Mais il y a des bouteilles en bas. Inconscient. J'ai voulu essayer de l'avoir en piqué. J'ai voulu essayer le coup en piqué. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est bon, là je l'ai. Je vais bientôt avoir un porte-bonheur en plus là. Arrêtez. Mais attends, je peux pas passer par le côté là. Tellement on trouve des one-cut déjà. Ça ne marche pas. On essaie de faire des beaux trucs et le jeu nous le permet pas. Ah bah ça c'est pas très gentil le jeu. Franchement ça c'est pas gentil. Ça je suis pas d'accord avec ce qui se passe là. Je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et d'où j'ai perdu... Ah oui, j'avais pas encore le porte-bonheur pour ça. Attends, d'où ça marche pas de le toucher? Quelle est cette merde? Voilà, bordel de cul. Pas compliqué. Juste regardez, là. Alors, regardez ça. Alors, attention, 40 bouteilles, hein. Il va y avoir de plus en plus de bouteilles dans les niveaux, je vous préviens. C'est beau une map, hein. On voit tellement les limites. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, vu que dans ce jeu, il y a des chiens et que c'est considéré comme des humains, on peut dire donc que ce chien est un humain attaché à une corde? Extraordinaire. Ok, c'était juste pour des bouteilles, bah ça me va. Best eggs, d'accord. C'est un chien mort par raton, eh ouais.
Non mais on peut dire que c'est un humain enchaîné alors. D'où ? De quel... Tiens ? De... Dans quel monde ? Salut. Qu'est-ce que c'est que ces clignotants ? Dites-vous bonne clé. Le tout dernier système de sécurité. Des capteurs de mouvement au sol. Ah ouais. Marche dessus et tu es cuit. Tu mens, t'as deux chances. Les clignotants signalent que tu peux marcher dessus. Mais plus pour très longtemps. Ouais, ça je pense à mon avis que ça a été traduit comme de la bite. Hein. Tu peux marcher dessus mais plus près pour très longtemps. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là le jeu. Oh ce clipping, regardez là, à l'arrière les planches. C'est beau, c'est beau. C'est beau un œil d'adulte qui joue à un jeu d'enfant. Bon. Donc en gros, ça veut dire que quand ça clignote de même, je peux marcher dessus. C'est ça. On peut voir une forme d'esclave, ah bah ça. D'une certaine façon. Oh ouais. La boule magique. La boule de feu. T'as tellement de possibilités encore pour cette miniature. Oh, oh ce bol. Sans le vouloir, j'ai trouvé une bouteille. Non. Ouais, c'est bon. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait ton problème, Sally Cooper. Je comprends. Elle est tombée dans le vide. Paf. Oh ouais. Un jeu qui adoucira vos mœurs les plus sombres. À porte-bonheur, je dis pas non. Tu connais pas le jeu par cœur? Non. Je connais surtout le 2 et le 3. Le 1, j'ai jamais trop joué, même si c'est lui, paradoxalement, que j'ai fait sur YouTube, sans jamais faire les autres. Attends, il y a 40 bouteilles, espèce de connard. J'ai dit que j'étais bientôt à la fin. La boule magique. Oh putain, il a le médaillon qui touche à son... C'est le roi Enoch. C'est le roi Enoch. C'est le roi Enoch. Assurément, cet ennemi est le roi Enoch. C'est bon, taisez-vous. Enfin, il faudra me dire dans quel bus il y a des systèmes de sécurité comme ça. Hein. On va expliquer un jour. Ne prends pas la clé tout de suite. Oui, on quand même. Hein. Mais écoutez, tant pis. On le fera plus tard. Et hop, c'est parti pour la clé. Ah, on drop des frames apparemment? Non. Jamais. Chez Mugshot. Alors, que j'appelais Musgo quand j'étais petit d'ailleurs. Si vous aimez les petites anecdotes de merde. Quoi, c'est pas ici que tu me parles, Bentley? Yo, mes grosses! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. Ce Mugshot ne doit pas être intimide. Et on sait qu'il est là, quelque part. Mais comment le trouver? Mais sa city est une ville énorme! Vu que c'est un bulldog, il y a de fortes chances qu'il ait élu domicile près d'une bouche d'incendie. Cela me paraît logique, Sly. Il te faut juste trouver le moyen d'entrer en bas du bâtiment. Oh, je trouverai bien une solution. Voilà, donc en gros, ça te dit, va chercher des clés. Ça va, mes gros? J'espère que tu vas bien, en tout cas. On se retrouve sur Sly Cooper, Sly 1. T'es en train de faire le 2 actuellement, bah moi, je fais le 1. Du coup, bah... Voilà, on est en train de jouer, c'est magnifique. Bonjour monsieur. Et on a fait le premier monde à 100% de... Allô? Ah, je l'ai interrompu. Désolé Mugshot. Donc je l'appelais Musgo quand j'étais petit. Je l'ai totalement interrompu, il a pas fait son dialogue. Pauvre. Laissez-le parler quand même, au bout d'un moment.
Bon, où est-ce qu'on va? On va au casino, on va... Ouais, on va au casino, allez, c'est parti. C'est parti pour le Boneyard. Je sais pas si Megrousse, toi tu l'avais fait à 100% Sly Cooper. Ou si t'avais juste fait les clés, enfin les boss simplement. Parce que nous on va faire toutes les bouteilles. Et peut-être tous les timers. Tu as fait le platine. Ah nice. C'était quelque chose les timers. Je peux jouer à la machine à sous? Non. Donc là, tout cassé, hein, tout cassé bien sûr. Je suis sûr que j'ai raté des bouteilles par contre, espèce de con. Il y a des bouteilles là-dedans, non? Pas de bouteilles là-dedans? Je refuse de le croire. Ah, ça, ça a de l'argent. Alors ça, c'est complètement con, d'ailleurs. La suite du niveau se trouve en bas. Mais vous pouvez pas sauter là. Quoi? J'avais sauté par-dessus, espèce de... Salaud. Salaud, j'avais sauté par-dessus. Espèce de salaud. Donc pour l'instant, on s'amuse. Encore 40 bouteilles dans ce niveau. Décidément. Je me demande si j'ai pas raté des bouteilles déjà. Bon, l'argent en soi ne sert à rien. Hein. Pour les porte-bonheur, mais moi j'aime bien. J'ai la collectionnite aiguë. Donc bon, voilà quoi. Donc oui, j'appelais ce boss, j'appelais ce personnage Musgo quand j'étais petit. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Au cas où ce sera la 10e fois que je le dise, bah désolé. Il y a des trucs là-dedans. Ah ouais, l'argent. C'est tout? Y a pas de bouteille? Je suis méga déçu. Je sais pas si j'aurai toutes les bouteilles, je stresse un peu parce qu'au début du niveau j'ai l'impression qu'il y avait des choses que j'avais pris. Non? J'ai cru que la musique allait faire ça. Je suis méga déçu. Alors si jamais vous savez pas, vous pouvez casser les jambes de mugshot. Si jamais. Mugshot, bordel. Attention. Joueur de cartes. Bon. Il est charmant ce casino en tout cas. Quelque chose là. Je suis en train j'observe s'il n'y a pas des cuts possibles. Parce que j'ai déjà vu quelques codes dans le monde 1 que j'ai exploité évidemment. Avec grande joie. Attends, je me suis cogné sur les jetons, t'es sérieux les gens? Les jetons? Ah bordel. Il est sensible ce slide. Ça va être marrant avec un chrono. Ça va être marrant avec un chrono, ouais, je te crois. Je crois sur parole que ça va être marrant avec un chrono, on verra ça. Hein. Genre, il voit pas plus loin que sa lampe torche. J'ai eu peur. Tu m'as effrayé, petit con. Je sais pas si j'ai toutes les bouteilles. J'ai peur. Aïe, 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 aïe. Il en manque quelques-unes. Aïe, 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 pas facile la vie. Hein. Oh, il en manque encore que deux, mais c'est quoi ces conneries? Au secours, quoi. Il m'en manque. Ah bah ça, c'est bien, ça. Tais-toi, Bentley, on t'entend pas. On t'entend pas ce que tu dis. Personne, tout le monde s'en fout. Voilà. Merci.
Oh, mais tu saoules. C'est bon. On va refaire le niveau pour AD. On va faire le niveau pour AD, on va trouver les deux bouteilles qui sont juste au début, hein, comme je le prévois. Bon, elles sont où les bouteilles? Elles sont là, là? Là, ici, là-dedans, là? Pas du tout. Elles sont ici, là, sur les côtés, là. Merde. Elles sont là, sombre merde, je l'avais dit. Bon bah c'est parti pour finir le niveau. On va s'entraîner pour le timer comme ça. Bien joué. Comment ce gars passe de la haine à l'amour? Il ne tirait pas dessus. Non! C'est bon. Tiens, je me demande s'il fait son animation de je me relève. Oh, il l'a fait dans les airs, son animation de je me relève. Okay. Mais non, mais tu te fous de ma gueule, là. Il y avait rien. Ouais, il y a rien, là. C'est bon. Il y a rien, là. Arrête. Quoi, mais... Je suis passé à côté... Ils ont des oreilles? Ils ont des oreilles? Je suis passé à côté de son rythme. Là, c'est ma sœur qui est passée à côté. Visiblement. Au secours, quoi. Putain, ça va être tellement marrant le timer. Oh, j'ai tellement hâte d'y être. I can't wait. En tout cas, les timers, on peut les faire uniquement quand on a le coffre-fort. Donc, ça montre qu'il faut déjà bien connaître le niveau, quoi. En fait, il y a un côté où tu te fais chier à l'explorer et l'autre côté où tu dois te faire chier à le faire avec un timer serré comme pas possible. Dans tous les cas, c'est du plaisir. Les musiques sont pas dégueulasses. C'est pas des musiques qu'on retient, mais c'est bon, c'est bien dans l'ambiance. Bon, allez, du coup, on n'est pas en timer de super voleur de merde. Voilà, je peux activer les alarmes, y'a pas de problème. Ce jeu est un... Oui, mais c'est vraiment un excellent jeu. Hein. J'adore ce jeu. Donc oui, c'est un plaisir intense. Donc c'était quoi? 8-1-4? On va voir. Amuse-toi avec tes codes, Bentley. Ça me fait plaisir. Et nous allons débloquer... Oh, c'est de la merde. Ouais, parce que c'est un coup qui peut te tuer, ça. En fait, c'est si tu veux te suicider, tu fais ça. C'est un coup de merde. C'est vraiment... J'avais pas mon compas. Quel connard. Il y a deux niveaux possibles. Bon, on va les regarder. Vers la gauche et vers la droite. Fais des cercles à la main, bien sûr. Ah! Alors, est-ce que celle-là, c'est celle que je pense? Est-ce que c'est Murray, celle-là? Oh ouais, c'est putain, c'est Murray. Oh ouais. Oh ouais. Alors, vous vous souvenez que Murray, c'est les muscles, là, dans Sly 2 et 3? Regardez. Ok, que dois-je faire? Ouvre-le du mieux possible avec cet exploseur! Super! Vise avec le joystick analogique gauche et tire avec la touche carrée. Je vais faire de mon mieux. Tu connais le jeu, Kenichi? Pour dire cette clé? Parce que c'est quelque chose, hein. Donc il va falloir couvrir... Murray avec son... Putain, son bedon bouge! Attends, je veux revoir ça. Tiens, meurs. Je veux revoir ça. Regardez son ventre. Oh, ils ont passé du temps à l'animer son ventre. Bon. Ah là là, heureux, ils ont... On était fascinés par le bidon de Murray. Maintenant que vous avez vu ça, vous n'allez plus jamais voir autre chose.
Attention parce que l'axe Y est inversé. Donc il faut juste tirer sur ce qu'on voit. Parce qu'en fait, oui, Murray, c'est les muscles. Mais c'est surtout une grosse merde. C'est fait d'avance comme ça. Parce que les bidons, faut pas tirer dessus, donc... Tu peux avoir un aperçu de tout le niveau entier, si tu veux. Hein, mais vaut mieux suivre Murray. Ils ont pris du temps à l'animer, le ventre de Murray. C'est ça qui me choque. Ah mais Murray... Oh putain, j'ai pas tiré sur lui. C'est un miracle. J'ai fait la moitié. Les muscles, ouais, les muscles, n'est-ce pas? Voilà, Murray, grosse merde, hein, bien sûr. Alors, si vous ratez, vous devez recommencer depuis le début. Hein. Salut. Ouais, vas-y. Ça me rappelle une mission dans Spyro. Un mini-jeu. Dans Spyro 3. Avec les bambous, là. Il faut protéger les maisons et tout, je sais plus quoi. Tout va bien, il avait un porte-bonheur. Il a un porte-bonheur, tout va bien. Ah. Ah, je veux pas. Bon, en même temps, si ma fusée ne visait pas la rambarde dixième fois, dix fois, ça irait mieux, quoi. Mais c'est de ma faute aussi. La visée et moi, c'est compliqué. Vous le savez. Bon, en tout cas... Il reste encore un niveau. Ah bah écoute. Oh ouais, ça sera encore mieux. Oh oui, ça va être tellement mieux, j'avais oublié ça. Putain, merci AD. Bon, il est où le prochain niveau? Ah, il est là. Faut monter le pont. Ah, la boule magique. De retour. Alors, la boule magique est apparue de nulle part. On est d'accord qu'il a un médaillon. Il a un médaillon, regardez comme il est beau le médaillon qui touche à son... Voilà, je voulais juste le voir le médaillon. Ça va. Ce que j'adore, c'est que son médaillon apparaît uniquement quand on est proche de lui. Pas quand on est loin. C'est genre, c'est un petit détail de merde. Ah là là, ce sera le roi Enoch à la boule magique, hein, clairement. Clairement. Impossible de faire mieux. Oh non, déjà ! Oh déjà ! Oh non, pas déjà, Adé, pas déjà. Murray, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, pas déjà. Juste m'acheter un petit hot dog et je sais pas comment. J'adore cette musique, par contre. Je vais faire la course contre ces espèces de racailles. Des caïras. Oui, il faut faire 3 tours de piste pour une clé. Alors fonce, là. Dirige le van avec le joystick analogique gauche. Et si tu roules sur un bonus de nitro, appuie sur la touche carrée pour accélérer un bon coup. Je gère. Alors ce n'est pas facile. C'est parti vite. C'est pas facile à faire parce qu'il n'y a pas d'accélération. Le truc qui réapparaît pas, c'est pas un item de Mario Kart. On peut pas déraper non plus, hein, voilà quoi. Donc c'est de la merde. De la merde. Vraiment de la grosse merde. Putain, le nitro là. Ah oui, vas-y. Non mais je l'ai pas du premier coup, hein. Impossible, tu l'as premier coup cette course là. Faut finir premier quoi. Et c'est vraiment dur. Y'a pas de cut, y'a rien, hein. C'est vraiment de la merde, hein. Jusqu'au bout. J'ai fait un tour, j'ai dépassé personne. On peut recommencer la course? Merci.
Bah, surtout que le nitro se fait pas péter. Donc c'est bien mieux. Allez, dégage l'ambulance là. Poussez-vous, poussez-vous! Oh, mais comment tu veux que je rattrape lui là? Murray, t'es vraiment une grosse merde. Je t'adore dans Sly 2 et 3, mais non. Dans Sly 1, j'ai juste envie de te liquider. Surtout, chauffe pas. Chauffe avec ta tête qui sort, qui dépasse du côté. Hein. Non mais c'est vraiment facile, je serre les virages, comment tu veux que je fasse mieux? Attends, il y a une touche que j'ai pas compris, c'est pas possible. Il y a une touche que j'ai pas vue. Mais il y a aussi de l'aléatoire, regarde là, là l'ambulance elle est déjà partie. Là. Tu veux pas être dans cette voiture? Connard. Je reroll. Tant que j'ai pas mon nitro et tant que l'ambulance s'est pas pété la gueule. On a été tous les deux cons, on a été tous les deux handicapés. Mais non, mais fais pas ça, espèce de con. Oh bah alors. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Si jamais quelqu'un a une technique pour faire cette course au plus vite, ça me va. Parce que je veux pas accélérer. Hein. Si jamais vous posez la question, je peux pas. Regardez en ambulance, là il était lucide. La vidéo de course a duré 3 heures, alors non. Bien joué, ça peut aider. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je serre les virages à fond. Comment tu veux que je fasse mieux que ça? Les voitures vont littéralement plus vite que moi. Booste mieux, mais comment tu veux que je booste mieux que ça, tiens, voilà. J'imagine. Ouais, je sais pas. Boost après les rivages du ralenti. Merci Kenichi. Genre là, quoi. Il n'y a plus qu'un tour, il reste un gars avec plein de valises. On y va. On prend le nitro, on prend le nitro, on n'est pas con. Allô? La musique, vous entendez quelque chose? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est le gars avec sa musique, c'est la voiture. c'est la voiture. Oh, j'ai plus de nitro, j'ai plus de boost. Vite.
Oui. Easy. Ah, heureusement qu'on n'aura plus jamais, hein. Super Murray. Si le moteur pouvait s'arrêter, merci. on a 4 clés. On peut s'arrêter là. Enfin, on va quand même faire un petit peu de trucs. On va continuer, on va essayer de prendre des bouteilles de ce truc-là. On va arrêter d'avancer pour la progression simple. C'est super, Murray. Ouais. Bon, trouvons les bouteilles. Il en manque 2. Ce qui est bien le jeu, c'est que le jeu sauvegarde les bouteilles. Ça, c'est franchement génial. Bon, il doit bien y avoir des bouteilles dans un coin de merde que j'ai pas vu. Là, j'ai pris, je pense. À mon avis, ça doit être vers la fin. Il y a des trucs qui montaient et j'ai pas été. Bien là. Ici j'ai pris. Ici est-ce que j'ai pris? Il y avait rien. Il y avait rien. Donc ça j'ai déjà regardé sur le côté. Paf! Paf! Oh ouais, dans le gouffre, tombé, souffré. Bande de cons. Pourquoi j'ai plus de porte-bonheur? Putain, mais j'avais un... Murray, il avait un porte-bonheur, c'est quoi cette bite? J'avais plus de porte-bonheur, véridique. Monsieur l'arbitre, je le jure. Bon, il y a quelque chose ici. Là, il y a quelque chose, là. Vous voyez, là? Là, 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 ici, là. Oh, bah. Connard. Mais il y a encore mieux. Et le coffre-fort, il est là. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Quelques mathématiques appliquées et hop, compose le 3, 1, 4. Presque. C'est pire que le loto, ce truc. Hein. Oh, t'avais un bon numéro, AD. Cette page qui a de ton super ancêtre, BF Cooper. BFF Cooper. A accéléré le temps, facilitant ainsi les longues périodes d'observation. Ah ouais, putain, ça c'est bien. Ouais, mais pas dans le bon ordre, son Link. Vite, j'aime bien. Vite, vite. Vite. Ah d'accord. Vite. Vite. Ah bah là. Ah moi je te dis que BF Cooper, ça devait s'amuser au lit. Hein. Alors, faisons le casino. Ah non, quoi, on a déjà fait le casino. Oh non, vous savez ce qui reste. Vous savez ce qui reste à faire. Ah non mais je peux pas quitter. Oh connard. Vous savez ce qui reste à faire. Putain, j'adore ces tambours. Salut Nini. D'accord. Nini est trop. Peut-être d'abord mieux ouvrir la porte avant de commencer. Donc là tu es arrivé pile à temps pour les timers de la mort. Ah c'est le petit amusement, le petit bonus de fin de vidéo là. Un petit amusement avec un petit sprint de merde. Quel plaisir. Yeah, j'ai pas vu, putain, j'étais en train de regarder le chat. J'espère que tu vas bien en tout cas, Nini. Il est bientôt minuit, déjà. Putain, le temps passe si vite quand on s'amuse. Donc on se souvient que si on active une alarme, ça fait aller le temps plus vite. Hein. Faut pas se faire avoir. Hein.
J'ai pas de porte-bonheur, donc je vais devoir passer par derrière. Pour leur plus grand plaisir. J'ai un porte-bonheur, je pourrais me prendre un damage quelque part. Mais le jeu me bouffe mes porte-bonheur. D'ailleurs, j'avais un porte-bonheur tout à l'heure. Pourquoi le jeu bouffe mes porte-bonheur? C'est quoi cette injustice? Oh non, putain, là. Bah là, le timer, on a perdu, quoi. On a perdu, madame, hein, on a perdu, là. On a clairement perdu, madame. Mais c'est pas grave, Nini. Tu as juste loupé le premier environnement. Alors si jamais on entend des bruits en fond, c'est parce que je suis pas tout seul et que j'ai ma vie. Voilà. C'est tellement amusant. Ce petit truc de merde là, oh ouais. Plus je peux pas rouler parce que... Enfin si, un petit peu. T'as loupé Raleigh, ouais c'est ça. Je sais pas si tu connais le jeu d'ailleurs, Nini. Est-ce que tu connais le jeu, Sly Cooper 1 sur PS2? Si tu connais pas, je te le recommande, il est génial. Bon, je recommande bien plus vivement le 2 et 3. Mais le 1 est très très bien aussi. C'est juste qu'il est d'un genre différent, quoi. Pour ce qu'il est, un jeu de plateforme où on a des niveaux qui s'enchaînent et tout, c'est excellent. Franchement, il y a des trucs bien faits et tout. Donc là, vous vous dites, t'as fini. Mais non, pas encore. Il faut activer cette merde. Et ne pas activer de laser, sinon le timer, il va aller super vite. Et je vais être dans la merde. Oh non, putain, un tour. Le 4 est bien aussi, ouais, il est bien. Il est bien, hein. Mais il faut se dire que Sly 2 et 3 n'existent pas. Et il y a le timer ici. Et on va avoir terminé pour ça. Bien. Merci. Merci pour les GG. Ça me touche énormément. Je dois savoir quel ça me fait plaisir. Une 30. Ce que je peux faire, voilà, c'est passer une plateforme déjà. Comment ça le jeu spécial Bentley? Hein? Comment ça le jeu spécial Bentley? Ah oui, niveau gameplay, bah regarde, tu peux sauter, courir, t'accrocher à des machins, à des trucs de voleurs quoi. Aller vite, rouler, t'as plein de mouvements différents. Tu peux miner avec ta casquette, ce qui ne sert à rien. T'as plein de coups comme ça qui servent à rien d'ailleurs. Et il faut que je finisse avant 1:30 le niveau, sinon c'est très mauvais. Donc là on fait du annexe. Hein. J'ai déjà fait le niveau en trouvant tous les trucs cachés dedans et en le finissant simplement. Et là il faut le finir vite. La boule magique. J'aurais pu passer. C'est pas grave. Enfin, ça peut l'être. Ah, ça nous rappellerait presque le premier niveau du jeu. Hein. Souvenez-vous du premier niveau du jeu, du premier timer du jeu. Putain, mais vite, c'est quoi ce cycle de merde là? Voilà. Pas sûr que Hutton Hensley, pourquoi? Mais pas le jeu où c'est que Bentley a une jeune mère à la... Non. Non, AD, ça me dit rien. Bordel, je vais découvrir un Sly Cooper. C'est peut-être ça le fameux Sly 5 que tout le monde attend. 3 secondes. 2 secondes de... Vous voyez qu'ils ont vraiment été faits... tight. Bon. Ah, qu'il aime Sly. Pardon, j'avais mal lu. Bon, en tout cas, je vous laisse avec cette magnifique vue YouTube.
on en reste là pour cette vidéo. N'hésite pas à aller mal à commenter comme d'hab. Et je te retrouve d'ici quelques jours pour la suite. Twitch, on continue.